Yo les gens, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 sur la map Raid en mêlée générale. Aujourd'hui, je suis accompagné de personnes. c'était la blague du jour. Donc, c'est un gameplay de Nico, donc Kalash the Camper. Donc, on était sur la map Raid, comme je l'ai dit, c'est une tentative titre explosé. Moreille. Il jouait donc à la MSMC canon, non, chargeur rapide, poignée ergonomique, la grenade frag, en série de points, drone de nourrissage, microstation orbital, gilet pare-balles, détermination, ça doit être ça je pense, pillard dextérité, le B23R, et voilà voilà. Donc dans cette vidéo je voulais vous parler de mon petit week-end là que j'ai eu, donc mon petit tournoi tout ça. Donc on va commencer par là. Donc le tournoi s'est déroulé en deux jours, donc le samedi et le dimanche. Donc le samedi, bah là j'ai joué à Call of. Donc je précise que la compétition se déroulait sur la console Xbox 360. Donc comme je vous avais dit, j'avais un peu peur de pas savoir jouer avec la manette, mais finalement je me suis bien débrouillé. Donc le premier jour, on était à peu près, on va dire, je sais pas, 200 joueurs à peu près. On n'était pas beaucoup le samedi encore. Par contre, aujourd'hui, on était vraiment beaucoup. Donc à l'heure où je commente, on est le dimanche, là, on est le soir. Donc le samedi, il n'y avait pas trop de monde. On devait être à peu près 100-200, donc c'était pas énorme. Et donc j'ai fini premier, donc j'ai gagné le tournoi du samedi. Où j'ai remporté 3 jeux Xbox 360. Donc j'ai gagné 2 jeux de danse, là, Just Dance 4, tout ça. Et un jeu, le jeu Rage. Le bail chelou là avec des armes bizarres là, j'avais déjà vu un test sur jeuxvideo.com, c'est un jeu un peu chelou. Donc voilà. Et le dimanche, il y avait beaucoup plus de joueurs et beaucoup plus de joueurs, on va dire, forts. Ça je m'y attendais de toute façon. Parce que sur le samedi, il y avait vraiment pas beaucoup de niveaux. Il n'y avait pas trop de niveaux. Par contre le dimanche, c'était un peu. C'était chaud bouillant, hein, on va dire. La finale, pour ceux qui savent pas, donc je suis arrivé en finale. C'était vraiment chaud bouillant à la finale, on était 8 à la finale et c'était les trois premiers qui étaient qualifiés pour les championnats de France en mêlée générale et qui gagnaient des lots justement. Donc là vous devez dire, alors t'as terminé combien? Premier, deuxième, troisième? Et ben j'ai terminé premier, donc j'étais super content là, genre c'était une mêlée générale sur la map Express. Donc déjà quand j'ai vu la map, quand on allait commencer là, je me suis dit waouh, Express c'est mort, je vais me faire niquer. Et finalement j'ai bien géré. À la fin il restait, je sais plus combien il restait 30 secondes, je vois que j'avais 2 kills d'avance sur le deuxième. Et à un moment, j'entends les mecs qui arrêtaient pas de gueuler, oh oh, et je voyais l'équipe qui montait, là il revient à moi, il y avait égalité. Après j'ai fait une double à la MSMC, voilà, j'ai fait 2 kills de plus, il a pas eu le temps de faire plus de kills. J'ai lâché la manette et j'étais super content. Franchement je suis super content. C'est mon premier tournoi sur Call of et c'est le premier que je gagne, donc je suis super fier de moi, donc voilà. Donc je voulais remercier aussi tous les gens qui étaient venus là, donc il y avait des abonnés à moi qui étaient venus. Donc c'est ceux qui habitent dans ma ville bien sûr, donc je vais bien sûr parler d'Anthony, de Tyrax, de Yann, tout ça. Donc Tyrax et Yann hein, bien sûr. Donc dédicace à vous deux les mecs. Dédicace à Tonio du 4600 là aussi. Là. Un pote à moi, donc Antoine qui a gagné le tournoi FIFA 14. Donc il a pas terminé premier, il a terminé troisième. Et pareil, il a gagné des lots, tout ça, donc des manettes, des jeux. Franchement, c'était super les lots, il y avait des bons lots, je trouve. Et voilà, donc là au passage, il y a Nico, à un moment, il va camper un peu comme un gros porc, mais en fait, il voulait tempo parce qu'il était à 2 kills de sa microstation orbitale, donc il a voulu assurer, on va dire, son titre explosé. Donc voilà, je vous ai un peu résumé mon petit week-end. Donc, j'ai oublié de vous dire aussi, donc j'ai dimanche, donc aujourd'hui j'ai gagné une console Wii et j'ai gagné un bail chelou là, c'est je sais pas si vous voyez, les joueurs de Street Fighter doivent connaître, enfin tous les joueurs les joueurs qui jouent au jeu de combat, c'est le truc qui je galère un peu à parler. Les joueurs qui jouent au jeu de combat, donc genre Street Fighter, les Tekken, tous les trucs comme ça, il y a un genre genre sur la boîte c'est marqué Fight Stick, genre c'est un stick analogique,
Et après, vous avez plein de boutons à côté. C'est une genre de un petit rectangle là où il y a plein de boutons et un gros joystick dessus. Donc pour ceux qui jouent au jeu de combat, ils doivent savoir ce que c'est à peu près, hein. Les grands joueurs professionnels de jeux de combat bah, jouent avec ce truc. Donc voilà. J'ai gagné ça, j'ai gagné un t-shirt, des jeux, enfin voilà. Wally Wallo, donc Nico là il est mort, donc vous avez pu voir qu'il est mort à 28. Donc dommage à toi Nico, mais bien joué. Et encore merci de m'avoir prêté ton gameplay, ça fait super plaisir parce qu'en ce moment je suis vraiment en cours de gameplay, j'ai pas pu faire de gameplay ce week-end comme je l'ai dit. Parce que j'ai eu mon tournoi, donc voilà. Donc c'était Blackbird HD, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà mon commentary, j'espère qu'il vous a pas trop déplu. Donc Nico, comme je vous ai dit, est mort à 28, donc voilà. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire, ça me fait très plaisir. Donc c'était Blackbird HD, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.